même si le maire de Paris est particulièrement discret sur le sujet, en réalité, la situation financière de la ville n'est absolument pas bonne. Il a mené pendant 10 ans, de 2003 à 2013, ont été pendant les 13 ans de son mandat, mais pour prendre une décennie, de 2003 à 2013, d'une politique véritablement dispendieuse. Pendant ces 10 ans, la dette a été multipliée par presque 4. De 1 milliard, elle est passée à 4 milliards d'euros. Les frais de fonctionnement ont augmenté de 40%. 25% d'agents supplémentaires ont été embauchés. Les effectifs actuels de la ville de Paris sont de 50 000. Ils étaient de 40 000 10 ans auparavant. Même s'il faut se méfier des comparaisons internationales, à Londres, le ratio effectifs municipaux sur population est 4 fois inférieur à celui de Paris. Enfin, en matière de frais, dépenses, train de vie, le train de vie de la ville de Paris a augmenté globalement de 25%.